Tombée du ciel aux légendes de Noël, conte historique, by G. Le Nôtre, read in French. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Fanny. Tombée du ciel. Les vieilles d'autrefois n'étaient pas semblables à celles d'aujourd'hui. La comtesse de Cherizet, dont la vénérable et charmante figure surnage parmi mes plus lointains souvenirs, comptait bien 80 ans lorsque je l'entrevis, étant encore un très jeune enfant. Elle était à la fois active et silencieuse, recueillie et enjouée. Ses beaux yeux, souvent rieurs, quelquefois graves, se fermaient fréquemment comme si elle eût voulu contempler, sans être distraite par les choses du présent, dans une sorte d'extase attendrie, ces longs jours de bonheur passés. Elle avait la bouche sans dents, mais le front sans rides. Trois rangs de tours en cheveux gris encadraient chacune de ses joues. Ses mains étaient restées fines et blanches, et elle portait dans toute son allure cette sérénité indéfinissable des vieilles gens auxquels il est arrivé de grands bonheurs et qui sont certains de rester jusqu'à leur dernier jour les enfants gâtés de la Providence. Autour d'elle vivait une bande de gamins turbulents, adorés et respectueux, ses petits-fils dont j'étais les compagnons du jeu et d'études, et je me rappelle qu'un jour d'hiver, nous étions tous groupés au coin du feu, près de l'aïeul qui tricotait suivant son habitude, sans lever la tête tout à son rêve. C'était la veille de Noël. À ces dates-là, quand on est petit, on n'est jamais très brave. L'attente du mystère apporte un frisson d'angoisse délicieuse. Il semble que le ciel est machiné pour la circonstance, que la nuit tombe autrement qu'à l'ordinaire. Le crépuscule est rouge feu ou très sombre. C'est l'heure où le petit Jésus quitte le paradis pour commencer sa rude tournée, et cette fois-là, je regardais fuir le jour triste de décembre, espérant voir passer l'enfant Dieu, curieux de savoir par quel bout du monde il entreprendrait son interminable tâche, et très apeuré, en même temps, à l'idée qu'il pouvait entrer comme cela, tout à coup, et me présenter de la main à la main le tambour, le sabre, les épaulettes et les casques à crinière que je lui avais demandé. Un grand, à qui je confiais ma terreur, haussa les épaules d'un air de supériorité. « Bête, va » fit-il. C'était un esprit fort, je le regardais stupide, quand la grand-mère, qui paraissait n'écouter pas, jugea opportun le moment d'intervenir. « Il faut toujours mettre les souliers dans la cheminée, » dit-elle d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Mais grand-mère, à tout âge, mes petits, vous m'entendez? À tout âge, ce qu'on désire tombe du ciel. Moi, j'ai reçu du petit Jésus un mari et une dot. »« Un mari? Une dot? Par la cheminée? Oui, par la cheminée. » Elle retomba pendant quelques instants dans son rêve souriant. Elle tricotait avec frénésie, l'esprit envolé, très loin. Et tout à coup, elle posa son ouvrage sur ses genoux et commença une histoire. Elle nous conta combien son enfance avait été triste. Elle avait perdu ses parents pendant la Révolution, la mère morte en prison, le père fusillé à Quiberon. Recueillie par une vieille et parente émigrée, elle avait ainsi passé toute sa jeunesse à l'étranger. Elle s'était retrouvée seule à Paris au temps de la Restauration, sans appui, sans ressources. Les biens de sa famille avaient été saisis, la fortune dispersée dans le grand désastre. Il ne lui restait que le vieil hôtel familial, abandonné depuis 20 ans, dévasté, tombant en ruine, inhabitable, bon à abattre et dont la valeur suffirait à peine à payer la modeste dot nécessaire à la jeune fille pour être reçue dans un couvent où elle pourrait finir ses jours. Elle n'avait, il est vrai, qu'une vocation résignée. Mais que devait-elle espérer de la vie? Déjà, l'hôtel qu'elle habitait était vendu. Les démolisseurs attendaient qu'elle l'eût quitté. Les meubles, depuis quelques jours, étaient partis pour l'encan. Elle ne s'était réservé qu'une chambre au premier étage, sommairement garnie d'un lit et de quelques chaises. C'est là qu'elle avait passé le temps de l'année 1815, dans une solitude et un recueillement semblables à ceux du couvent où elle allait entrer.
La dernière journée qu'elle vécut dans cette noble maison où elle était née fut particulièrement pénible. C'était le 24 décembre 1815. Le lendemain, fête de Noël, elle devait se rendre dès la première heure au monastère de la Visitation rue Saint-Jacques. Elle errait seule dans les grandes salles de meublés. Une femme de ménage qui l'avait servie dans le dernier temps venait pour la nuit coucher dans la sienne loge du Suisse. Oui, je m'en souviens bien de cette soirée-là, comptait la grand-mère en hochant la tête des nerfs réfléchis. Je n'avais pas touché au souper que Tiennette m'avait servi. Elle s'était allée coucher en bas dans le corps de logis donnant sur la rue Saint-Dominique et avant de m'endormir, je voulus revoir une dernière fois cette maison où j'étais né, où mes parents avaient vécu. Une bougie à la main, je parcourais les hautes pièces sonores pleines d'ombre et de froid dont les tentures arrachées et ternes pendaient comme des gigantesques toiles d'araignée. Au dehors, la rue était silencieuse. C'était une triste époque. Quelques jours auparavant, avaient été fusillés le maréchal Ney, la Bédoyère, bien d'autres. Dans la journée, on avait appris la condamnation de Lavalette. Partout dans Paris, on traquait les fidèles de Napoléon. On ne parlait que des conspirations, de complots, de poursuites, de représailles, et la nuit venue, le seul bruit qui troublait le silence lourd de la rue était celui du pas rythmé des patrouilles grises faisant leur ronde. Bien morose et mélancolique, je fermai enfin les portes et revins à ma chambre. La chambre où s'était passée ma petite enfance heureuse. Je m'apprêtais à m'étendre sur le lit, mon lit à moi, pour la dernière fois. 11 heures venaient de sonner. Je délaçais mes brodequins quand, tout à coup, dans la nuit calme, les cloches de Saint-Thomas d'Aquin commencèrent à carillonner en volée. Alors seulement je songeais à la messe de minuit qu'elles annonçaient et ma pensée se reporta à Noël d'autrefois. C'était loin, si loin. Je me revoyais dans cette même chambre, au temps où ma bonne mère vivait, mettant le soir si joyeuse mes petits souliers dans la cheminée. Une grande cheminée de marbre chantournée, si large et si profonde, qu'en se penchant sur l'âtre et en levant les yeux, on apercevait en haut, tout en haut, du long conduit velouté dessus, les étoiles du ciel. Cet âtre aujourd'hui, noir et froid, je le revoyais au matin radieux de Noël de jadis, encombré de paquets blancs, coquettement rubanés, de friandises artistement disposées sur de beaux papiers à collerette, de poupées roses et blondes, de livres aux rayures rutilantes. Oui, c'était loin. Quelle divinité protectrice concevrait la pensée, à présent qu'il me manquait tant de choses, de me gratifier d'un peu du superflu des jours heureux? Je restais là, songeuse, les pieds dans des babouches, mes brodequins à la main, et voilà que timidement, presque honteuse, je m'approchais de l'âtre et je le disposais sur le foyer. Une idée folle, le désir ingénu, ridicule, d'éprouver une dernière fois l'impression d'enfance que jamais, jamais plus je n'aurais la possibilité de ressentir. Ah, qu'il faisait triste mine mes pauvres souliers sur ce marbre fondu. Ils n'étaient ni coquets ni neufs. Ils avaient l'air si mélancoliques, si mendiants, si sûrs que cette nuit-là, il ne leur tomberait rien du ciel. Je vous atteste, mes petits, que je les regardais sans gaieté, très sotte de mon enfantillage, et le cœur si gros que j'allais me mettre à pleurer quand un épouvantable fracas me fit sauter et perdu à l'extrémité de ma chambre. Une détonation de tonnerre, un vacarme semblable à celui d'un tombereau de pavé versé de haut sur le parquet. Il me sembla que la maison s'éventrait du haut en bas. Un nuage de poussière âcre remplit la pièce que je vis aussitôt encombrée d'un tas de plâtras, de moellons noircis, de briques en morceaux, de blocs de suie. Évidemment, la cheminée sur le toit venait de s'abattre et je reprenais mon sang-froid quand, m'approchant la bougie à la main pour juger du dégât, j'aperçus, j'étais pétrus d'épouvante, deux pieds d'homme chaussés de bottes boueuses qui, suspendus dans la cheminée, s'agitaient désespérément comme pour chercher un point d'appui qu'ils ne rencontraient pas. Mon saisissement fut tel que je ne pouvais jeter un cri ni faire un mouvement. J'étais là, médusée,
debout derrière une chaise dont je me faisais instinctivement un rempart, et je vis glacé de peur, les pieds tâtonnant, descendre peu à peu, toucher le plâtras amoncelé dans l'âtre, éprouver la fermeté de ses sols, s'y poser, puis j'aperçus des jambes, les pans d'une redingote, un homme qui se pelotonnait rempart à reculons, sortit dans la chambre et se dressa devant moi, les mains écorchées, le visage noirci. Son premier mouvement fut de s'essuyer en passant sur son front sa manche déchirée. Moi, je regardais le sang figé, cette apparition terrifiante. L'homme s'ébroua, se frotta les yeux, distingua la bougie, me vit, recula d'un pas et joignant les mains. « La vie, par grâce, sauvez-moi la vie !» Je ne pouvais pas répondre. Il alla jusqu'à la fenêtre, guetta le bruit de la rue, se retourna vers moi et balbutia encore tout haletant de sa chute. « Madame, mon sort est dans vos mains. Je suis poursuivi. Je suis malheureux. » Il écouta encore, l'oreille tendue vers la rue. « Pour Dieu, répondez-moi un mot. Qui habite cet hôtel ?»« Moi. Seul ? Seul. » Il me dévisagea anxieusement. « Oh, mademoiselle, une heure de répit, seulement. Laissez-moi passer une heure ici. Cette heure-là me sauve. Je suis le comte de Cherizet, un officier de l'empereur. J'ai conspiré, ou du moins on m'accuse. Oui, j'ai conspiré, je vous dis la vérité, pour sauver Ney. Avant-hier, on est venu m'arrêter. Je fuis. Vous êtes certain que personne d'autre que vous n'habite cette maison ?»« Personne. Voilà deux nuits que j'ai par les rues. » Je pensais ce soir gagner un refuge sûr. J'ai traversé Paris. À l'angle de la rue Taran, une patrouille. J'ai couru, mais j'étais dépisté. J'ai sauté un mur, atteint un tuyau de gouttière. J'ai monté sur un toit. J'ai compté me dissimuler, attendre que les policiers fussent loin. Mais j'avais été vu. J'avisais une cheminée. J'imaginais de me cacher dedans et je m'y laissais couler, espérant remonter facilement. Et en effet, mes pierres rencontrèrent dans le conduit très large un relief dans la maçonnerie, une saillie que je jugeais solide et où je pensais me maintenir assez longtemps. Mais la cheminée sans doute était de construction ancienne. La saillie de plâtre s'effrita sous mon poids, céda brusquement et je tombai. Il resta quelques instants silencieux, cherchant à vaincre son émotion, et il ne cessait de me regarder de ses grands yeux suppliants et inquiets. « Je suis un homme d'honneur, mademoiselle. » Mon dévouement à l'empereur est mon seul crime, quel que soit le parti auquel vous apparteniez. Je fis un geste pour lui signifier que cela importe peu. Oui, répéta-t-il, mon seul crime. Restez. Il chancela, s'appuya contre la cloison et d'une voix faible murmura. Merci. Tout de suite, il se reprit, fit quelques pas dans la chambre, poussa un soupir. Je n'en puis plus. Je lui présentai la chaise. Il s'y laissa tomber. Par pitié. « Un peu d'eau, » demanda-t-il. Il passa un linge mouillé sur ses tempes, sur son visage, sur ses mains. Je le regardais faire. C'était un homme d'une trentaine d'années, à la figure très énergique et très douce, mais très triste et pâle aussi. Je pris courage et lui adressai la parole. « Avez-vous faim ?» Il eut un haussement d'épaule découragé. « Voilà, » répondit-il, « voilà 40 heures que je n'ai rien pris. Je tombe d'inanition. Excusez-moi. » Je sortis de la chambre, j'avais laissé dans la pièce voisine, sans y toucher, le souper que m'avait préparé Tiennette. J'apportai le plateau dans ma chambre, je le disposai sur un guéridon que je poussai près de mon proscrit, et j'étalai devant lui une serviette blanche. Il y avait du pain, des marrons, des œufs durs, un flacon de vin vieux retrouvé par Tiennette au fond d'un caveau. Le comte avait repris tout son sang-froid. J'allumai une seconde bougie et ce luxe inusité donnait à ma chambre un air de fête. À l'église voisine, les cloches se reprirent à sonner allègrement, égrenant dans la nuit leur voix grondante ou grêle avec une solennité joyeuse. Mon hôte parut étonné. Tout le bruit du dehors l'angoissait. « La messe de minuit, » fis-je pour le rassurer. « Ah !» Et comme je l'invitais du geste à entamer la collation, « Alors, » dit-il en souriant, « vous m'y conviez au réveillon ?»« Et de fait, nous réveillonnâmes ensemble. » Je n'avais plus peur du tout. L'aventure me semblait toute simple. Et de le voir manger avec un appétit plein d'entrain, cela me donnait une faim. Les émotions m'avaient creusé, et sur son invite gracieuse, je m'assis en face de lui.
Ah, mes petits, le bon souper. On causa d'abord avec quelques gênes de choses vagues, puis peu à peu, la conversation prit le ton des demi-confidences. Les choses ont bien changé depuis que ceci s'est passé. Les gens ni les mœurs ne sont plus les mêmes. À mesure qu'ils parlaient et qu'ils mangeaient, ils devenaient tout autres. Ils s'exprimaient avec une grande distinction, d'une voix respectueuse, assourdie, presque tendre. Non, certes, ces choses-là n'arrivent plus. Et l'aïeul, très animé à l'afflux de ses souvenirs, tricotait nerveusement. Sa pensée était bien loin du travail vertigineux de ses aiguilles. Un discret sourire amincissait ses lèvres fines. J'avais mon plan, continua-t-elle. Quand le comte fut bien réconforté, reposé et manifesta l'intention de partir, suivez-moi sans bruit, lui dis-je. J'ouvris la fenêtre qui communiquait au balcon s'étendant sur toute la façade de l'hôtel. À l'extrémité de ces balcons, comme c'était d'usage dans les vieilles demeures, se trouvait un escalier de fer en spirale qui descendait au jardin. Je le conduisis par là en traversant la pelouse humide jusqu'à une petite porte donnant accès à un dédale de ruelles étroites qui s'appelait du nom d'un ancien couvent le passage des Dames Sainte-Marie. J'ouvris les verrous de la porte, je fis quelques pas dans la ruelle, très déserte et très sombre, je reconnus que personne n'y était aux aguets, que nul danger n'était embusqué là. Je revins au comte. Allons, adieu, lui dis-je. Il me regarda d'un air soumis, un peu attristé peut-être. Adieu? Répéta-t-il d'un ton interrogatif. Oui, adieu. J'entre demain au couvent. Il s'inclina profondément. Comme j'étendais la main pour lui indiquer sa route, il la saisit, y posa un baiser si respectueux, si discret, pourtant si tendre et si ému, que moi-même je me sentais un peu troublé. Il s'éloigna brusquement. J'entendis le bruit de ses pas se perdre dans la ruelle. Je restai encore là un moment et guettai. Puis, je fermai la porte, traversai le jardin et rentrai dans ma chambre où je ne fermais pas l'œil de toute la nuit. Le lendemain matin, avant l'aube, Tiennet entra dans ma chambre pour allumer le feu suivant l'habitude et m'aider à mes préparatifs de départ. Je devais être à la visitation pour l'heure de la grand-messe. Je me pelotonnais sous mes draps, faisant semblant de dormir, quand j'entendis la brave femme pousser un grand cri. Seigneur, Jésus, mon Dieu, qu'est-ce que ce déboulis-là? Et voyez donc, mademoiselle, ces gravois qu'on a vidés dans votre chambre, mais c'est donc tombé du ciel. En voilà un de désastre. Ce n'est pas Dieu possible que tout cet écroulement se soit abîmé sans que vous ne l'entendiez. Je sentais bien qu'il fallait donner une explication, dire quelque chose, et je balbutiais comme sommeillant encore. Sans doute, j'ai entendu, mais pas grand bruit. Un coup de vent, peut-être, sur une cheminée lézardée. Mais Tiennet, se souciant peu de mes observations, continuait à se lamenter, à geindre sur la poussière et la suie du parquet sur l'impossibilité d'allumer son feu sur les vieilles maisons qu'on s'obstine à habiter jusqu'au jour où elles s'écroulent sur votre tête. Et tout en bougonnant, elle avait pris un balai et cherchait à repousser dans l'âtre les plâtras. En voilà-t-il du moellon, et gras de suie et salissant! Et les souliers de mademoiselle qui sont pris là-dessous. Mais qui est-ce qui a donc fourré vos souliers là, mademoiselle? Il fallait répondre. Oui, je sais, c'est exprès. Et dans quel état? Ils ne sont plus mettables. En voilà un qui est plein de suie. Et celui-là, mon Dieu, tout cassé sous une pierre. Ah, quelle pierre! Mais qu'est-ce que c'est donc? Comme c'est lourd! Qu'est-ce que c'est lourd? De mon lit, je la suivais du coin de l'œil et je la vis essayer de soulever, sans y parvenir, une masse poudreuse enduite de plâtre noirci. Tiennet restait tout ébahie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi donc, Tiennet? Et ça pèse, c'est du plomb. Sûr que c'est du plomb ou du fer, un coffre qu'on dirait. Et sur les souliers de mademoiselle, il y en a un qui est tout écrasé. Intriguée, je passai un peignoir, j'allai à elle. C'était bien un coffret, en effet, qu'elle essuyait à l'aide de son tablier. Un coffret tombé de la cheminée avec les plâtras. Sans doute, il y avait été muré dans ce massif qui s'était écroulé sous le poids du comte, et c'était sa chute qui avait entraîné celle du fugitif. Tiennet, tout en frottant le coffret, s'extasiait.
Ça a été mis là, voyez-vous, du temps de la Révolution. Les vieilles maisons, c'est plein de trésors cachés. Oh, mademoiselle, si c'est de l'or... Nos efforts réunis parvenaient à peine à remuer le coffret. Je ne m'expliquais pas comment une si petite cassette, elle n'était guère plus haute que la main et longue à peu près comme l'avant-bras, comment une si petite cassette put atteindre un poids aussi considérable. Et puis, comment l'ouvrir? Pas de clé. La serrure, d'ailleurs, était obstruée de plâtre sec. Mais les goupilles des charnières étaient rouillées. Nous parvînmes à faire sauter l'une d'elles, puis l'autre. Cela nous prit une heure de peine. Enfin, le coffre s'ouvrit. Il était rempli de piles de louis entassées et alignées. Je regardais stupéfaite cet amoncellement de pièces à l'effigie des deux derniers rois. Tiennette et Bailly comptaient poussant des exclamations, expliquant. « C'est votre père, mademoiselle, c'est votre père qui a caché là cette fortune. » Elle continuait à compter ardente, les yeux en flammes grisées, jusqu'à ce qu'elle se perdît dans ses additions sans cesse recommencer. « Je vous dirai tout de suite, mes petits, que le coffre contenait 150 rouleaux de 100 louis, 300 000 francs. Moi, je demeurais agenouillée près de Tiennette, les bras ballants, toute sotte et commenteuse de voir tant d'or. Je restais là jusqu'à ce que les cloches joyeuses, s'ébranlant de nouveau, carillonnèrent en volet la messe de l'aurore. Alors, je fus prise d'une émotion subite. Mes nerfs tendus s'amollirent, je pleurais sans pouvoir m'arrêter, tandis que Tiennette sanglotait aussi, disant « Ah, mademoiselle, le petit Jésus, pour sûr, c'est le petit Jésus !» Et jamais tant qu'elle vécut, on n'est pu ôter de l'esprit de la brave servante que cette nuit-là, le petit Jésus était venu m'apporter une dot pour que je n'entre pas au couvent. Et de fait, je n'ai passé qu'un mois par déférence à la visitation. Le bruit du miracle s'était répandu. Madame la duchesse d'Angoulême voulut me l'entendre raconter. Je le fis bien entendu sans dire un mot du proscrit héros de l'aventure. La chute du coffret n'avait dans mon récit d'autre cause que la vétusté d'une cheminée. La triste et bonne princesse m'attacha à sa maison et je pris domicile près d'elle aux Tuileries. Un an s'était écoulé. On se retrouvait à la veille de Noël et suivant l'étiquette de la cour, nous avions ce soir du 24 décembre 1816 accompagné madame chez son oncle, le roi Louis XVIII. On y passa la soirée. Sa Majesté, qui adorait les histoires et qui venait d'en conter joyeusement plusieurs à ses familiers, se tourna soudain vers moi. « Et vous, mademoiselle, » fit-il un peu ironique, « ne m'a-t-on pas dit qu'une fortune était tombée du ciel un soir de Noël dans vos souliers ? Alors, c'est le jour, contez-nous ça !» J'avais grande peur. Pourtant, devant l'ordre du roi, il fallait m'exécuter. Je me mis à parler sans trop savoir d'abord ce que je disais. Jamais je n'avais nommé le comte de Chérizet, mais en ce moment-là, trop troublé pour faire preuve d'imagination, je racontais l'histoire telle qu'elle était advenue. Quel danger d'ailleurs! Un an s'était passé. Les passions politiques étaient amorties. On ne parlait plus ni de conspiration ni de représailles. Pourtant, par prudence, je ne fis mention que d'un inconnu dont j'avais toujours ignoré le nom et la situation sociale. Tous les yeux étaient fixés sur moi, je me sentais rougir, je perdais la tête, je balbutiais. Le roi malicieusement m'arrêtait à chaque invraisemblance, me pressait des questions et quand j'eus fini. « Et ce bel inconnu, interrogea-t-il en clignant de l'œil, il n'a pas dit son nom, on ne l'a pas revu, bien sûr, c'était peut-être un voleur, ajouta-t-il en changeant de ton. » Alors, un peu piqué, je pris le parti de tout dire. « On ne l'a pas revu, mon sire, » répliquai-je en faisant ma grande révérence. « Mais ce n'était pas un voleur. Son nom était le comte de Chérizet. » « Le comte de Chérizet ? » Il resta songeur et son front se plissa. Durant toute la soirée, sa préoccupation fut manifeste. Il cessa de prendre parti à la conversation et s'entretint longuement à la voix basse avec messieurs les ducs de Cazes qui étaient à cette époque ministres de la police. Le roi semblait exiger du ministre une décision que celui-ci avait quelque peine à accorder. Le lendemain, à 10 heures, quand la cour entra chez le roi pour l'accompagner jusqu'à la chapelle, où devait être chantée la grand-messe de Noël,
le cabinet de sa majesté était encombré comme au jour de fête. Louis XVIII baisa sa nièce au front et lui offrit comme cadeau de Noël une croix en brillant qui avait appartenu à la reine Marie-Antoinette. Il distribua aux dames quelques menus souvenirs. Déjà les officiers prenaient leur rang pour la marche à travers les galeries quand le roi fit un signe de la main. « Attendez, » ordonna-t-il. Je sentis son regard fixé sur moi. « Messieurs, » dit-il au gentilhomme massé autour de lui, « écartez-vous un peu pour que mademoiselle voie ce qui lui tombe cette fois du ciel pour son Noël. » Les courtisans obéirent. Je levai les yeux et debout en face de moi j'aperçus, « Oh, cette fois, malgré la majesté du lieu, je ne puis retenir un cri. Le comte est chérisé !»« Oui, mademoiselle, » fit le roi souriant. « Messieurs les comtes de Cherizé, qui, arrêtés il y a un an en sortie de votre hôtel, étaient jusqu'hier soir gardés au secret à la prison de l'abbé que le bonhomme Noël est allé prendre là cette nuit pour le laisser tomber dans ma cheminée avec en poche un brevet de colonel dans ma garde, messieurs, » ajouta-t-il, en tendant la main au comte qui s'en saisit et la baisa tout émue. La vieille dame, les larmes aux yeux, arrêta là son récit. Elle attira vers elle ses petits-enfants qui écoutaient bouche bée la belle histoire et ferma les yeux comme pour concentrer en elle la vision ravie de ses souvenirs. C'était votre grand-père, mes petits. Rien d'or tombé du ciel aux légendes de Noël, conte historique, by Je les nôtres. Recording by Fanny, Thessaloniki, Greece.